Si t'as faim, va voir le frigo. Y a un gâteau? Quel frigo? Mon frigo? Comment ça, mon frigo? Mais mon frigo, chez moi? Hein? Mais vous vous foutez de ma gueule! Mais vous vous... Attends, mais qui est rentré chez moi là? Non, mais vous vous foutez de ma gueule! Attends, il y a vraiment... Mais c'est une vanne! Non, no joke, c'est une vanne! Attends, vous avez... Putain, ils ont parlé avec ma copine! Oh, et en plus, hey, ils ont pas déconné, hein! Du Philippe Conti de Chili? Oh, si c'est ce que je pense! Ah, oh, mais si, c'est sûr! Putain, mais du coup, vous êtes en train de dire que ma copine elle est rentrée chez moi sans que je sache? Ah ouais, vous êtes trop fort. Hein. Ah, vous êtes trop fort. Oh là 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 là, le vilain Paris-Brest de Sanssouci. Ah, je pense que c'est le meilleur Paris-Brest que j'ai jamais mangé, celui de Philippe Conticini. Hein. Oh ah, mais vous êtes trop fort. Hein. Putain, mais elle est où ma copine? Oh non! Ah, c'est la meilleure. Hein. En plus, on l'avait pris une fois, il y a 2 mois, on l'avait mangé et tout. Et j'avais dit, mais le Paris-Brest de Conticini, c'est vraiment de la folie. Alors là, c'est. Ah non, je suis incroyablement ému. Hein. Oh allez, bravo, hein, c'est pour l'orgue. Hein. Merci beaucoup. Hein. Oh là là, mais c'est trop beau. Hein. Vraiment, vraiment. Je suis très chanceux. Hein. Merci et merci à la Chose Production. Hein. Merci à tous ceux qui ont prévu ces petites bêtises. En plus, regardez, ils ont prévu une petite bougie. Voilà. Tidi. Les 10 ans. Alors, je vais quand même. Oh, mais attends, c'est incroyable! Ah, ça déconne. En plus, c'est un putain de gâteau. Hein, là, vraiment. Mais en plus, c'est quelle musique? J'ai plus le casque. On écoute quoi, là? Choupi? Écoute pas de Choupi. Bon, bref. Non, vous êtes trop mignon. Mais attends, mais vous êtes sérieux? Mais genre, il y a quelqu'un qui est venu chez moi pendant que j'étais en stream, là, au calme. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, Chouane! Mais comment ça, 01? Oh, mais c'est à l'envers! Oui, bon, d'accord. Happy birthday to you! Ouais! Non, mais j'ai pas 01! Ouais! Ah, mais merde, c'est à l'envers! Ouais! Oh, quel bonheur! Oh non, mais c'est une dinguerie! Franchement, le gâteau, c'est. Je pense que c'est le top 1 gâteau que je voulais. Hein. Non, mais alors là, c'est. Sans déconner. Hein. Mais attends, mais comment est-ce qu'ils ont prévu ça? Enfin, l'a rangé où? Mais. Alors là, je suis. Mais du coup, elle est partie dans sa pause déj pour aller chercher un gâteau, elle est revenue. Non, arrête, c'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et pourquoi on écoute Petit Ours Brun? T'as pas besoin de ça? Non mais j'avoue que je suis. Attendez, je vais le remettre au frais. Je vais pas me manger comme un gros sac devant vous. Incroyable, hein, bravo. Imaginez en fait, je me fais une surprise à moi-même et tout était prévu depuis le début et je me suis acheté un Paris-Brest et je fais semblant, etc. Imaginez. Ah mais genre, il Ah non, je suis choqué. Hein. Oh, bah merci beaucoup. Hein. Merci à tous ceux qui ont regardé. Très 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 content. Tu goûtes pas le gâteau? Bah non, pour l'instant je peux pas le manger. Hein. Mais j'aime pas trop manger en live généralement. Je ferais peut-être une pause moins de 10 minutes pour manger un peu. Hein. Mais pour l'instant, nous continuons. Alors, merci beaucoup. Hein.
Prochaine activité de Loulou, est-ce que vous êtes prêts? Attention, le bol. Boubou, tu as besoin de bol. Et la prochaine activité est... Alors, je sais pas de quel côté c'est. Dans le doute, je retourne de tous les côtés. Je le retourne encore une fois. Vous avez bien vu? Il s'agit de... C'est quoi? Review ancienne vidéo! Oh! Oh! Ah, vous allez rentrer dans les vidéos cachées, là! Ah, c'est Mac et les laitières. C'est Mac et les laitières. Bon. Griotte et Benjamin. On commence... On commence tranquille. Hein. Vous en avez eu quelques-unes, hein, mais... Titalitatou. Alors, j'ai une vidéo, je ne sais pas ce que c'est, je ne les ai pas vues, d'accord ? Mais elle s'appelle... Shones qui taunte une duo botlane FR du 26 mai 2013. C'est dangereux. C'est très dangereux ce que vous avez regardé. Oh, j'ai très peur. Hein. Je sais même pas du tout ce que je dis. C'est vrai que je dis des grosses dingueries, je vais me faire ban, mais... Pas mal de... Ok, je veux juste pas mourir, ça devrait aller. Voilà, et là je m'en fous. Moi j'ai fait mon boulot, maintenant je me casse. Vous voyez ? J'ai juste fait l'engage, j'ai lâché mon ignite. Puis derrière, en gros, je me suis barré. Pour pas mourir. Ça disait « Good job, Lee », il y a 10 ans. Voilà. Il y a 10 ans, ouais, ça ne déjà pas écrit dans le chat. Oh, la botlane, c'était les Français. C'est encore plus rigolo. J'aime le... Les Français qui ragent. Ah là 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 là. Mange pas, hein. Bon, je vais juste attendre ma petite pierre de vision, parce que j'ai besoin de 20, et que ça donne vachement d'avantage sur la lane, pour les wards surtout. Du coup, je peux ward autant que je veux sans en racheter. Oh, allez, le titre en haut. High level jungler EU Diamond One. Et maintenant, voilà, une fois que, maintenant que je suis un petit peu mieux dans la game, je vais aller acheter après mon, ma pierre de philo. Oui, monsieur. C'est skillé la solo queue. Parce que Grave, voilà, c'est ce que je dis, hein, Grave, il s'est vraiment fait attraper, mais comme un mauvais. Je vais sur un PC portable 15 pouces, hein, les gars. Ah, il y a toujours une pink, ok. Bon, moi, ça me permet de savoir qu'il y a toujours une pink. Aïe, 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 aïe. Rien à voir, lui aussi, c'est un français. Après, il faut qu'il fasse attention, le Graves. Parce que moi, je suis pas encore level 6. Le jeu a tellement changé. Je suis bientôt. Oh là, le Sinky. C'est le héros. Oh, merde, je vais l'aider. Mais le canon, il ressemble à un Bowser. Ça me saoule la botte qui l'ouvre. Oh, des embrouilles de collégiens. Les Français sont vraiment là pour râler, hein. C'est fou quand même. Ça me saoule la botte qui l'ouvre.
Bon, allez, on va lui faire un petit gant qu'on va le tuer. Oh. Oh, yes! Ok. Là, ils vont être dégoûtés, à mon avis. Ah, ils vont être dégoûtés! Ah, tu peux plus! Ah là 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 là! Genre, c'est cringe de. World! Oh, world. Je vais faire des petits taunts. Il le mérite bien, il fait que de râler. Oh, aussi. Regarde-le. Notre French. Oh, c'était so Nainga, c'est Report Léona. LOL. Je rêve comment ils sont les types quoi. Regarde-les. Oh là 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 là. Les embrouilles de 2013, les gars. T'es pas fort à 16 je crois. À chaque fois, je me prends la tête. Oh, ah là là là. Bon, il faut rester souriant. Ça monte la société française. Ah oui. Ah bah ça, oui. Alors que tu te carries, putain. Eh mon dieu, quoi. Sans déconner. Ouh, par contre, celui-là, il peut passer loin. Il y a Gob qui a refusé la partie avec un Kazakhstan en même temps à côté. En même temps, je sais même pas si on peut le considérer comme français. Vu comment il parle. Ouh, l'ulti. Allez. Oh, désolé. Ah, allez, je me fais plaisir. Il mérite un petit taunt. Je me fais plaisir. Oh, c'est criminel. Ah, tu vois, on reste quand même gentil. Hein. Good job, Lee, you're carrying. Attends, mais l'autre il me flame de tout. Pathétique. Bon, je m'amuse un peu, hein. Vous m'excuserez sur le chat. Pathétique. Ah, j'adore, je fais plaisir. Ah, j'avais mon t-shirt de Polytech. Quel connard cette Léona. Oh là 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 là, franchement Léona, tu flame et tu rages quoi. Du recul, on avait du recul déjà, on avait du recul. Alors ça franchement, je sais pas si je peux l'impré-cran. Mais franchement. Allez. Allez mon coco. Allez mon coco. Allez. Allez. Oh là là là. Alors on va revoir. On peut rien faire de plus. Donc là c'est eux qui commencent à parler. Notre mid, notre top et jungle sont useless et fed toutes les games. Ah, toutes les games. C'est skillé la solo queue XD. Et là, toute attention. Ça me saoule la botte qui l'ouvre. Ferme ta gueule mec, zéro rapport avec le warding. J'essaie de donner une bonne image de la France. Donc là...
La franesse. En plus, je suis une faute à France. J'ai honte à cause des mecs comme toi, Léona, je te jure. Ah, on essaye. Après, j'étais sur un clavier de PC avec des petites touches, il y avait pas de mécanique, rien. Bon, il y a des vilaines argumentations, les gars. Franchement, j'ai pas envie d'argumenter ce qui se passe, mais il faudrait que vous fassiez une introspection. Pays de sous-mer sous-développé, société de connards, mais moi, en vrai, ils étaient si vilains. Je suis mort. Attends, ils étaient méga toxiques. Non. Ils étaient méga toxiques. Allez, je vais laisser à Drake. Nice. Non mais là, tu peux même pas écrire un dixième de ce qu'ils écrivent maintenant. Bon, je push un peu, j'en profite. Oh, putain, je vais m'en aller. Donc encore une fois, hein, de l'autre, je passe de l'autre côté. Mais voilà, quand vous perdez, plutôt que de vous dire c'est toujours la faute des autres ou des choses comme ça, essayez, même si c'est vrai parfois, hein, je le cache pas, même si c'est vrai parfois, essayez de voir les erreurs que vous avez fait vous. C'est 10 fois plus intéressant et c'est comme ça que vous avez monté de niveau. Là par exemple, eux ici, ils se plaignent en gros que personne les aide et tout, et Blitz il avait acheté aucune ward, aucune. Putain, et 10 ans après, je dis la même chose. Ça fait plaisir. Donc là, il avait acheté une pink et il avait ses petites wards à la con. Donc forcément, le Lissine il est venu, bah, il le savait pas. Après, ils se plaignent, mais bon, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. J'ai toujours raison, donc ouais. Évite de parler comme un aristocrate, tu fais tiep. Donc là, voilà, là, ils se sont déconcentrés complètement à faire les cons. Et je pense franchement ils avaient encore une chance, hein, vous voyez. Ils avaient encore la chance de gagner, c'est juste que là, voilà, ils veulent faire les trolls, ils veulent faire leurs intéressants chaud, à parler, non, bah, ils ont perdu la game, ça leur apprend. Eh, c'est fou ce que tu pouvais écrire à l'époque dans le chat, parce que là, jamais je me fais bad hein, pour ça. Jamais je me fais bad, hein. J'ai rien dit, ils s'en foutaient. Et puis, si vraiment, vraiment, franchement, je vais vous le dire, je suis un gros gros troll. Donc si vraiment j'ai envie de m'y mettre à troll, je peux durer 1h30 s'il faut. Je suis un gros gros troll. Mais bon, ils le méritent pas. Attention, c'est un gros gros troll. Putain. Ah, je suis explosé. Ça faisait... Mais les gars, ça faisait 20 jours que je streamais. Hein. Puis en plus, c'est trop facile. Ok, je fais tiep. Maintenant, on arrête, les enfants. Ça devient un peu lourd. Non. Oh, j'y vais pas. Bon, il va flash, donc je vais attendre. C'est bon, ça devrait aller. Oh! Ah, allez, remballe. Maintenant. Mon cheval. Oh, cette vidéo est épique, hein. Par contre, on écoutait un petit album de Daft Punk quand même, ça nous met hier, hein. Donc, ouais, on a personne à faire le dragon, ça c'est un peu dommage. Non, ça je sais pas si je peux coup. Engager par là. Je savais que la vidéo existait. Ah, oh, j'étais pas loin. Merci, je vais revenir en bas parce qu'ils vont push. Pour les 2000 bits, merci beaucoup, c'est super gentil. Et bon, j'ai pas envie de laisser mon Grace tout seul. Parce qu'à part le début où il s'est fait attraper, il a pas trop mal joué dans les gangs. Mais regardez les dingueries qu'ils écrivaient quand même. Là, encore une fois, là, c'est il devrait ward, hein, vous voyez. Y'a pas de ward, y'a pas de ward. Ils se plaignent, ils sont à 0,50, ils se plaignent encore. Non mais là tu peux pas écrire un centième de ça, enfin genre c'est... Oh merde, il les a esquivés, bon il va mourir. Non mais c'est... Un petit troll, il va dire genre ah GG vous avez tout raté les skill shots. C'est d'argent. Non, on est tous contents. Choqué en vrai. Donc là, c'est quand même. Faut féliciter le Lee Sin. Hein. Parce qu'avoir 16 assists en moins de 20 minutes, c'est énorme, énorme, énorme. J'ai une lueur. Toujours lucide. Là, c'est vraiment lui qui mérite la victoire, on va dire.
Parce qu'avec Lee Sin, hein, moi je trouve que, comme je l'ai expliqué, hein, c'est un héros qui est en dessous maintenant, mais si vraiment vous le jouez bien, vous pouvez faire des trucs de folie avec lui. Oh, le t-shirt Polytech. Bon, en tout cas, ouais. Sinon, on a fait une bonne game parce qu'on a quand même réussi à tenir mentalement après le First Blood. Mais j'aurais pu faire comme eux, le Graves aussi, mais au final, on s'en est bien sorti. L'historique. Putain, on gagnait 4 LP pour une victoire. Oh, c'était criminel. Putain, vous avez peut-être pas connu cette époque-là, mais les plus 0. Les plus 0, ça, les gars, c'est... Nous, en fait, quand on faisait des games, on était à 99 LP et il y avait que 50 challengers. Et sinon, tout le monde était stuck en diamant. Tout le monde était stuck diamant. Donc, en fait, t'étais diamant 99 LP. Et quand tu gagnais plus 0. Mais en fait, tu augmentais ta MMR. Et tu gagnais plus 0. Et en fait, tu devais gagner genre 5 ou 6 fois plus 0 pour espérer être dans le top 50. Regardez, ça, c'est l'ancien chat Twitch. L'ancien client LOL. Putain. Alors, bon, lui, je vais juste le report. Pour spam. Spam. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours bien. Je porte le blitz. Spam. Le mec, il a souhaité la mort de tout le monde. Oh, un peu relou quand même, hein. Il papote lui, hein. Il papote. Mais quand je vous dis que c'était une autre période, les gars, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc voilà, ça c'était la première vidéo du coup, parce que vous avez pioché review d'anciennes vidéos. Ça date, hein, quand même, ça date. Et j'espère qu'elle vous fait plaisir. 2013, encore une fois, je le dis. Hein. Rendez-vous compte à quel point c'est différent de nos jours. Et il y en avait une autre. Il y en avait une autre. Comment je la retrouve? J'ai pas Honor Lee Sin, hein, c'est vrai. Malheureusement, j'ai pas Honor Lee Sin. Une autre, alors, pas dans le même style. Enfin, dans le même style d'époque. Mais, alors... Titaladitatou... Ok. Bon, on va peut-être pas toute la regarder celle-là parce qu'elle, bon, elle va être un peu plus longue, mais. Alors là. Ah oui, tout de suite. Tout de suite, on est sur. Attention, parce que c'est un peu fort. Je vais baisser un tout petit peu le son. Faut pas que ça vous pète les oreilles. On est toujours sur une normal game, hein, y'a pas de soucis. La Caitlyn qui a posé ses traps, l'XQQ qui essaye de clear. Très belle Arras. À la vidéo, de la part de Night Flash. Commente une Aram en mode LCS. Cook qui prend beaucoup de dégâts. Attention, on est à 4 minutes 30. Le mode LCS va arriver. Je jouais toute la nuit. On fait monter la pression, hein. Donc l'équipe rouge, hein, qui push la lane. Il y avait d'autres gens avec voilà, ils ont compris que c'était pas le moment de faire le dragon. Et sauf qu'il n'y avait pas d'Aram à l'époque. Très belle avancée de Caitlyn. La Caitlyn qui harasse. Quelle harasse de Sona. L'accélération et le flash. Le flash. C'était un kill presque assuré. C'est incroyable ce retournement de situation. On en a 30 qui commencent à être feed. La Sivir qui a 10 creeps et qui est déjà partie sur une épée longue. Un très bon stuff, hein, pour les carry. Et le Twitch. Oh là là, le Twitch qui s'en sort avec 55 feed. 55 HP. L'équipe bloquée sous pression, le Folzo qui prend beaucoup d'aras, notre Z qui avait bouclier de Doron qui va pouvoir régen, la Sona qui a plus beaucoup de mana, la reste de Soraka, oh lalalalalala, les MP. Oh, mais bah, Artegon, c'est ouais, le viewer, mais... Attention, le Nashor, on a 15 minutes, hein, l'équipe... C'est un gars qui a dérapé, en vie. Le Nashor est là, oh la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 , je n'y crois pas, je n'y reviens pas, caras, Katie, magnifique kill. On appelle ça la roulette. Et Denu qui récupère. Denu qui se met en frontline, hein, qui est là pour embêter, qui est là pour Arras. La Sona qui n'a plus de mana. Qui est magnifique. La roulette. L'attaque sans Goku de la part de Aatrox. Oh. Donc voilà, hein, l'équipe rouge qui a fait un très bon pick en random. What? Avec Soraka. Avec Soraka, voilà, ils ont. Très peu de mal à être low HP. Oh là là, quel kill sur Folzo.
Voilà, il était en train de boire une bière en plus. Et le flash! Le flash de Nunu! L'accélération! Le Aatrox qui prend des risques immenses! Et le Aatrox qui va mourir! Vas-y, reviens avec son passif! La sonde peut-il la finir? Et c'est là! Oh là là là! Le Aatrox qui s'échappe avec 2 HP! Avec 2 HP! L'équipe rouge qui est sous pression quand même! Et le flash de Genesis! Et le kill! Oh my god! Mais comment t'arrives ce régime avec oh là là et quelle accélération! Comme ça, avec une superbe line-up en random de Mundo, Caitlyn, Aatrox, Soraka, Sivir. Waouh! C'est impressionnant là, vraiment! L'équipe rouge qui a préparé sa normal game en full AP, full mid. Vraiment, c'est un super bon choix ce qu'ils ont fait. Alors la Sona qui repart avec le cristal. Alors, hors contexte, c'est vraiment n'importe quoi. Donc elle repart avec plus de mana parce que son but ça va être de heal. Mais là voilà, niveau creep, alors la bot lane qui est en mid, Sivir Soraka qui est à 2-0-1, donc vraiment qui battent la Sona et Twitch qui sont en mid aussi. Les deux junglers Nunu et Mundo sont en mid également. Donc c'est une game vraiment en dehors de la méta. Oh là là, et le kill à nouveau. Le Nunu qui va peut-être sauver. Le Nunu qui meurt également. Le Nunu et Shanice avec Irelia qui meurt. C'est vraiment... Hein, incroyable. J'ai dit oui, il y avait des gens avec moi. On était avec des potes. Incroyablement tendu, la race de la Caitlyn qui touche le Twitch, la Sona qui y va, qui se prend des couteaux, il y a bien raison le Mundo, les femmes dans la cuisine, on leur envoie le couteau, et mais oui, c'est comme ça qu'on veut, la Caitlyn qui prend la race de la Tower et qui est très loin. Alors là on a une période de temps mort, on a une période de temps mort. La Sona qui est le HP, allez, on a bien évolué. Le Twitch qui va mourir, le Twitch qui va mourir, Oh là là, en utilisant son flash. Terrible, c'est terrible. Vraiment, vraiment tendu cette game. Ah, aïe aïe aïe. Bon, mais mes excuses évidemment. Le Z national va-t-il pouvoir lancer au level 6 son ultimate, son skill avec des. Eh oui, messieurs dames, parce que le Z est parti sur un build AP. C'est pour vous dire que cette game sort de la méta. Aïe. Le kill de Nunu sur cette accélération de Shadis. Le Twitch qui repart dans la game. La Sona va-t-il pouvoir faire quelque chose de la plus malade avant. Oh là 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 là. Worst Kevin avec sa Caitlyn. Ouais, et ambiance. Vraiment, on sent dans cette game. Ambiance. 32 jeux. Il y a vraiment. 2013. Dans attention. Dans l'intensité de cette game. Vous doutez bien que c'est bien voilà, pas ce à quoi je pense. LCS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le LCS numéro 88. LCS numéro 88. La méta n'est plus la même. On a changé. Alors ton crâne est plus garni à l'époque. Plus garni. Caitlyn qui farme plutôt bien avec 3-1-4. Parce que plus, là normalement j'ai plus de cheveux de l'époque. Mais après il y a. Nous on j'en a. J'en ai eu un petit peu plus les dernières années. Mais c'est vrai qu'à voilà, l'époque, c'est ça vois, qu'on bon, veut. Là, c'était évidemment les. Le kill les vannes, de Aatrox, l'accélération, le flash de Soraka. C'est les vannes va-t-il un peu tuer beau, le Z. Le Z se fait hit par la Sona. Que là, ça passe bien. Dans les époques, hein. C'est les vannes un peu beaux. Le Z qui se fait sauver par le heal de la Sona. Le Mundo qui continue à dire rentrez dans votre cuisine, bande de couteaux. Et tu vois, mais ça me rappelle par rapport au chat. La Sona va-t-elle mourir? Dans le chat qu'on avait vu là sur la game d'avant, où les gars écrivent des dingueries pas possibles. C'est la Sona qui prend le kill sur ce flash! Alors qu'elle avait dit globalement quand même. Magnifique flash! Extrêmement sensible par rapport à ça, parce que là c'est évidemment. Un autre moment de la game dans les époques de dire ça, quelle accélération! Mais c'est vrai qu'en 2013, c'était pas accepté normal, mais. On a revu un très bon flash de la Sona, mais du coup qui ne l'avait plus. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose que tu la penses. Mais c'est Irelia qui tue Caitlyn. Ouais, aussi choquant elle de le dire, Ignite, quoi. Tu vois. Mais il n'y aura aucun problème pour qu'elle survive. Genre, tu pouvais faire cette vanne là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'en perds mes mots. Évidemment, voilà, j'en désolé hein, pour ceux que ça a pu perturber ou voilà, c'est quelque chose qui ne se dit pas aujourd'hui. J'en perds mes mots et vraiment, cette game est d'une intensité. Ce n'est pas ce que je pense moi-même personnellement. Le bait, attention contexte, le Aatrox qui est mouru mais qui est mouru de son passif.
Attention, est-ce qu'il y a rien pour le tuer? Oui! Le Twitch qui est tranquille derrière! Le Twitch qui est tranquille derrière! Oh, le flash out! Le kill de Irelia, le doublé! Le doublé pour Irelia, le doublé! Irelia est un héros de late game! Donc évidemment, elle a lâché sa tourelle top, mais pour aider ses alliés en mid! Pareil, la botlane a lâché! La botlane! Le dragon qui n'a toujours pas été fait! On est à 11 minutes 45, le Nashor qui va arriver dans 3 minutes. Oh là, mais la hype au niveau de la game! Ouais, la typiquement. Race de la attention, bon, ouais, parce que forcément ça réduit un petit peu la hype de cette game qui était très drôle et en fait c'est le pas quelque chose que je pense. Le 7 qui peut attaquer l'accélération, voilà. Va-t-il? Je m'excuse vraiment par avance, ça a pu en mettre. Magnifique action, va-t-il pouvoir le bloquer? Et la Sona qui met ses boobs devant pour bloquer l'ulti. L'accélération, ah là là, y'a trop de kills! Y'a trop de kills! Allez, mort! Hop la boule! La Caitlyn qui est tuée par la Sona! Hop là, vous! Bah, c'est vraiment une autre époque, les gars! Mais tu peux plus le dire ça maintenant! La flash out du Nunu qui a plus beaucoup de vie! Boum. Allez, cours, gros Nunu! On sait que t'as été nerf, mais tu peux t'échapper! Et oui! C'est qui bon. N'a pas le droit de pas, qui prend un coup de temps! Il en est à 45 PV! 45 petits PV! Que va-t-il pouvoir faire? Il va se faire dive! Le Mundo qui dive! Va-t-il pouvoir le faire? Le Aatrox, il a envie d'y aller! Et c'est le kill du Aatrox! C'est le kill du Aatrox, il n'a plus son passif, le Mundo qui tank, le Mundo qui tank, le kill le gros fiac de Galio, ça vous choque pas, mais le Mundo qui oui. Continue, va-t-il pouvoir le tuer, le Sorokin a un boost d'armure, elle n'a plus, et le Twitch qui prend le kill, la Irelia qui continue, oh mon dieu j'ai plus de... Et moi je vais où? Bon voilà, en gros, vous voyez un petit peu l'idée de la vidéo, on va la stop ici, on va pas qu'il y ait trop de dinguerie, mais encore une fois... Il faut remettre dans le contexte, on était en plein cast, il était tard, il y a c'est des trucs, bon voilà, c'est pas critique ce que j'ai dit, mais il y a vraiment pas volonté de nuire, donc je pense qu'on est bon, là pour cette vidéo, on est bon, on est très très bon, voilà. Mais bon, bah je sais, bah tant pis, écoutez, hein, si ça sort et s'il y a 1000 threads dans tous les sens, c'est vrai qu'on est dans une société un petit peu plus sensible de nos jours, donc...